Nous allons nous intéresser à ces lithographies qui ont longtemps été exposées dans la salle de la peste de 1720 du musée du Vieux Marseille, dont le musée d'histoire de Marseille où nous sommes est l'héritier. Oui, on reconnaît bien dans la lithographie du milieu le fameux vêtement de peste qui commence à apparaître dans des gravures au XVIIe siècle, à un moment où justement cette épidémie sévit en Europe. Alors, en fait, il s'agit d'une planche du guide sanitaire des gouvernements européens du docteur Louis-Joseph-Marie Robert qui a été publié en 1826. 1826, donc un siècle après, c'est bien postérieur. Oui, c'est nettement postérieur. Il a été médecin du Lazaret de 1815 à 1847. Et donc ce costume étrange correspond à une logique, qui est la logique médicale de l'époque, où l'on redoutait que la peste ne s'introduise dans le corps par l'air. Et donc il s'agissait d'obturer tous les orifices du corps par un vêtement imperméable, en cuir ou en toile cirée, des bottes, des gants, et ce fameux masque destiné à protéger les yeux, à protéger le nez, à protéger la bouche. Et il y a ce fameux bec qui contenait des parfums qui étaient destinés à intercepter en quelque sorte les vapeurs pestilentielles, à les neutraliser, hein, d'où ce long réceptacle en avant. Alors, est-ce que ce costume, il a été réellement porté ? Alors c'est bien le problème. C'est bien le problème parce qu'aucun des acteurs et témoins directs de la maladie ne parle du masque. Il confirme effectivement que l'on a porté cette longue robe de cuir ou de toile cirée, mais ils indiquent que l'on mettait sur le visage, en fait, un mouchoir renfermant une éponge imbibée de vinaigre. Et ce sont les publications de l'époque extérieure à la Provence dont les auteurs n'étaient pas témoins de la peste de Marseille, ou alors les publications postérieures, comme celle-ci, qui diffusent cette image du XVIIe siècle de ce costume qui semble surtout avoir été utilisé dans les régions germaniques. Donc on n'est absolument pas certain qu'il ait été porté en 1720. Alors tu dis que les sources parlent quand même de vêtements en toile cirée. Alors comment se fait-il qu'on ne les voit pas dans les tableaux de Michel Serres qui documentent assez précisément la peste ? Alors effectivement, c'est une question. On peut penser que Michel Serres devait respecter les conventions picturales du temps et qu'il a répugné à représenter des notables tels que les médecins en particulier avec ce costume. Il a représenté en fait des médecins, ils sont en costume de ville, à noter d'ailleurs qu'ils respectent une certaine distanciation sociale. Mais ils ont sur le visage le mouchoir avec l'éponge imprégnée de vinaigre ou bien ils le tiennent à la main. Et pour les autres costumes, qu'est-ce qu'on peut dire ? À quoi correspondent-ils ? Alors ce sont des costumes apparemment que le docteur Robert a conçus pour le risque d'épidémie de peste de 1819 qui a sévi en Afrique du Nord mais qui n'est pas arrivé jusqu'à Marseille apparemment. En réalité, c'est le costume des confréries de pénitents de l'époque, c'est-à-dire des associations pieuses qui portaient ce capuchon à cagoule pour s'assurer l'anonymat lors de leurs activités charitables parce qu'elles enterraient par exemple les indigents et surtout elles enterraient les suppliciés. Ce qui est intéressant aussi dans ces lithographies, ce sont les objets qui sont montrés. Donc le premier, la cassolette, qui montre bien l'attention qui est portée à l'air dans ces questions de diffusion de l'épidémie. Donc on brûle dans la cassolette des parfums, on brûle des herbes aromatiques, du soufre, hein, qui vont neutraliser les vapeurs pestilentielles. Et puis le personnage de la lithographie de droite, là, il porte un cautèr au bout d'un long manche, un cautèr qui servait à cautériser les bubons qu'on avait incisés au préalable, les bubons des malades par lesquels le mal s'échappait une fois l'incision faite. Donc une thérapeutique sans doute très, très douloureuse, mais dont on ne sait pas encore une fois si elle a été utilisée.
Alors voilà qui devrait nous conduire, me semble-t-il, à une certaine prudence dans l'illustration de nos travaux historiques. Cela dit, ces trois planches avec ces étranges costumes sont extrêmement spectaculaires. Oui, c'est ce qui vaut sans doute au costume de peste d'être utilisé par Bertrand Tavernier dans son film en 1975, Que la fête commence en 1975, hein, il les met dans l'affiche. Alors comment expliquer le succès jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à des publications récentes de ce masque en particulier, alors que les mêmes publications sont très exigeantes en ce qui concerne les documents d'archives? Je pense que ce qui explique le succès, c'est qu'elles correspondent à l'image qu'on se fait d'une forme de catastrophe dont on a perdu la mémoire, un chaos social total provoqué par l'épidémie et une terreur sans doute des habitants. Et en fait, le masque, par exemple, avec ce bec de corbin, il rappelle le corbeau, cet oiseau de mauvais augure. Le cotère, ça renvoie à une image de la médecine, de cette médecine archaïque, violente, cruelle et inefficace. Donc on nourrit en quelque sorte la terreur et la fascination pour la peste. Mais moi, ce que je pense que ces images nous montrent surtout, c'est que finalement, prêtres et médecins ne sont pas restés inactifs face à l'épidémie. Ils ont lutté contre, avec les moyens qui étaient les leurs, avec les connaissances qui étaient les leurs. Et il ne faut surtout pas faire d'anachronisme ici et juger leur action à l'aune de nos connaissances et de nos outils techniques.